Bonjour. Les amis, nous sommes le 4 décembre, vous le savez, c'est l'heure du calendrier de l'Avent. Du coup, c'est parti, on va ouvrir la nouvelle case. Je veux pas manger de Jelly Belly, ok? Je veux pas! Bon, j'ai compris. Je pose mon beau et magnifique calendrier Milka. Et je prends lui, calendrier Jelly Belly, dégueulasse. La quatrième case est juste ici. Je vais l'ouvrir. En plus, je viens de me laver les dents. Ça me dégoûte. J'ouvre le nouveau sachet. Hop là. Je les prends. Je mélange. Le premier qui est pâté pour chien ou chocolat. Ça va. Et le deuxième qui est vomi ou pêche. Je vais forcément tomber sur vomi, c'est sûr. À un moment, mais le Père Noël ne me protégera pas indéfiniment, quoi. On va commencer par pâté pour chien ou chocolat. C'est parti. Chocolat. Alors là, franchement, si ça pouvait, se passer aussi bien pour le vomi. Ça pouvait se passer aussi bien pour le vomi. Vomi, c'est parti. Ah, mais j'ai pas mangé ce midi, ça me dégoûte. Père Noël, je croyais que vous m'aimiez. Ok, bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre un... Non, c'est pas moi. Aujourd'hui, on ouvre un magnifique colis de chez Abby Style. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert un colis de chez eux. Vous le savez, pour ceux qui aiment les mangas, ce colis est rempli de tout ce qui est manga animé. Et vous savez quoi, c'est Noël, ça nous fait plaisir. Abby Style et moi, on vous en offre une deuxième pour vous. Elle sera gagnée sur Twitter, c'est limité à 999 exemplaires. C'est cadeau. Ah bah c'est Noël, hein, ça fait plaisir. Du coup, on ouvre ça tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ouvrons la boîte, les amis, attention. Ouvrons la boîte, les amis, attention. Aïe. Allez, c'est parti, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'a l'air quand même bien rempli. Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et évidemment, il y a le papier bulle. Oh, j'ai l'impression d'être trop puissant alors qu'en fait, c'est du papier bulle. Du coup, on va passer au premier objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh là là, ça fait tellement plaisir de voir que tout est absolument manga animé. C'est vraiment cool. Je crois que c'est un mug et si j'ai bien trouvé, c'est Bleach. Yes, regardez. Là vous pouvez pas voir grand chose en effet. Hop, il est là, le superbe mug de Bleach. Il est vraiment vraiment méga cool. Et regardez, en plus il est bien, il est énorme. Regardez ça, il est vraiment super cool. Très très beau. Et à l'intérieur on a même le logo des Shinigami. Je sais pas si vous le voyez, hop là, juste ici. J'aime beaucoup, c'est un des animés de mon enfance. Et franchement si vous l'avez jamais vu, c'est quand même à regarder. C'est quand même à regarder parce que c'était vraiment sympa. Ok, on continue. Il y a l'air d'avoir une grande plaque métallique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Je l'ai déjà eu en fait. Après ça, en soi, c'est quelque chose qui va être envoyé par Abby Style. Donc forcément, il y a peut-être des choses que je vais avoir en double. Et bah c'est pas grave, je l'offrirai à Ocelli. Du coup, objet suivant, c'est pas grave, petit fail. Là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, à mon avis, alors, je connais Abby Style. À mon avis, c'est des espèces de trucs pour mettre les verres. Vous voyez, les espèces de dessous de verre. Voilà, les dessous de verre, attention. Des dessous de verre. Franchement, hein, je suis pas peu fier, hein, je suis assez talentueux, on va pas se mytho. Comment est-ce que j'enlève ça sans tout déchirer? Des dessous de verre One Piece, lui, il est magnifique. On a celui de Zoro, donc lui, c'était Luffy, lui, Zoro. Là, on a qui? Peut-être Nami. Là, je pense que c'est Nami parce qu'elle a son espèce de bracelet. Enfin, c'est un peu chelou, mais en tout cas, je crois que c'est Nami. Et là, on a celui de Chopper qui est magnifique. Mon préféré, c'est celui de Chopper. N'hésitez pas à me dire lequel vous kiffez. Mais moi, je pense que celui que je préfère le plus, celui-là. Il est vraiment super mignon. Ok, on pose ça de côté et on continue notre petit unboxing. Il nous reste un ou deux trucs à voir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Un porte-bagages Dragon Ball Z. Ça, c'est plutôt cool. Après, moi, je suis vraiment pas trop Dragon Ball. C'est pas vraiment mon univers. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que Dragon Ball, c'est pas un animé que j'ai vraiment regardé. Du coup, je le garde de côté et je pense savoir à qui je vais l'offrir. On a des petites cartes Wanted. Hop là, là, on a Usopp. Oh, alors ça, ça là, j'avoue. Ah, ça, ça fait plaisir. On a un petit tapis de souris. My Hero Academia. Alors ça, j'avoue que c'est un animé que je kiffe énormément ces derniers temps. Mon dernier tapis de souris, c'était celui-là que j'avais reçu aussi d'Abby Style. Du coup, je pense que je vais changer un petit peu. Je vais mettre celui-là. Et lui, je le garderai quand je voyagerai ou quand je partirai quelque part chez Ocelli, chez ma mère ou chez quelque part. Franchement, c'est plutôt cool. Je suis super content. Qu'est-ce que c'est? Je sais, ça, je sais ce que c'est. À mon avis, c'est des Prestagada. Voilà, les fameuses Prestagada. À chaque fois que je vais, quelque chose avec Abby Style, il m'envoie toujours des Prestagada. Et ça me fait plaisir. Ah, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Et vu le bonbon au vomi que je me suis tapé juste avant,
Merci. Et je pense que nous arrivons au dernier objet. Attention, je le mets là, je regarde la boîte. C'était le dernier objet. Du coup, est-ce que je peux deviner comme ça? Je vais essayer de vous montrer et je vais essayer de deviner. Là, une espèce d'élastique, il y a des arceaux. Je pense que ça doit être un cahier, genre un notebook ou un truc comme ça. On regarde et c'est Death Note. Yes! J'écris beaucoup de choses dans des carnets. Le premier que j'ai eu, c'est celui-là qui m'a été offert par Marie. C'est un notebook de Game of Thrones qui est plutôt stylé. Il est vraiment, vraiment cool. Et le deuxième qui m'a été offert par Ocelie, c'est celui-là. Et lui, je l'aime tout particulièrement. Il est mignon parce qu'en fait, regardez, si on tire la languette, hop, ça change le dessin. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça me fait plaisir. Il n'en faut pas beaucoup. Et bah du coup, j'en aurai un troisième. On va essayer de l'ouvrir. Hop là, on le prend et il est vraiment super joli. Regardez ça. Là, on a Ryuk ici. Et si on l'ouvre, est-ce qu'il y a des dessins à l'intérieur? Il y a des petits L ou du détective. C'est super cool. Et bah c'est tout les amis pour cet unboxing qui était vraiment, vraiment super cool. Au final, si on résume, on a eu le petit notebook de Death Note qui, je pense, est mon cadeau préféré. Le mug de Bleach qui est vraiment très joli lui aussi. On a eu également le porte-bagage Dragon Ball. Enfin, je dis porte-bagage absolument pas. C'est une étiquette de bagage. Mais bon, vous m'avez compris. Les dessous de verre One Piece qui sont bien sympas. La carte Wanted de Usopp. La plaque de Fairy Tail. Et enfin, le petit tapis de souris My Hero Academia qui est vraiment sympa. Et si je regarde le petit prospectus, en fait, on pouvait avoir deux trucs en deux plaques en métal. Donc, soit Fairy Tail, soit Naruto. Donc, vous pouvez peut-être tomber sur Naruto pour ceux qui gagneraient la box ou si vous achetez la box. On pouvait tomber sur n'importe quel des Mugiwara qui est juste ici. Et également sur plusieurs tapis de souris. Moi, j'ai eu celui-là. Et bah, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup à Vistyle qui m'ont envoyé ce colis. N'hésitez surtout pas à checker dans la description. Et à leur site, je ferai un concours sur Twitter le 10 décembre pour offrir une box. Du coup, si vous ne me suivez pas sur Twitter ou si vous n'avez pas de compte Twitter, n'hésitez pas à vous en créer un ou à me follow parce que ça arrivera très prochainement. Il y a déjà un concours pour gagner 3 pulls Piglou. Dès qu'il se termine, on enchaîne sur celui-là. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir et que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora. Ciao ciao tout le monde. Et je remercie Nolwenn pour cette magnifique outro qui va suivre. Let's go.